Salut à tous et à toutes, hey, belle et bonne, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Tomb Raider 3! 3! C'est un Pokémon! Donc c'est parti, on était au portail du Lude, dans un musée chelou. Excusez-moi, je déplace un peu mes affaires. On était sur le point d'abaisser ça. Ah, ok! Est-ce que je peux pas passer là? Non. Putain, je suis obligé de... Non mais... Cette combinaison de touches n'est franchement pas pratique. Yep. Je peux redescendre là sans problème? Ouais. Ok. Et j'adore les gens qui... Enfin, il y a un abonné qui a dit... Ouais, Corentin aide Balzéphone, il est totalement paumé. Mais je suis pas paumé, attendez, j'ai trouvé les bons leviers et tout. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai trouvé... Faut pas, j'aime bien l'aide de Corentin parce qu'il connaît le jeu et tout, mais j'aime bien l'aide de Corentin parce qu'il me la donne justement une petite dose. S'il me la donne quand je suis pas perdu, ou alors quand je suis toujours en train de chercher, ou des trucs du genre, je trouve ça un peu inutile parce que bon... Bah, je sais pas en fait, je veux pas être spoilé non plus, je veux faire le jeu par moi-même. Si je vois vraiment que je suis coincé, que ça prend trop d'épisodes, dans ce cas-là, oui. Sinon, je vois pas l'utilité. Et oui, j'ai les joues rouges, ça va, j'ai couru. Ça vous arrive jamais de courir. Lara aussi, elle court. Bon, elle a pas les joues rouges par contre. Si j'avais bien suivi, il fallait que je fasse ça. J'ai les mains moites aussi. Ouais. Je suis jamais sûr si je peux vraiment faire ça, en fait. Bon, d'accord, c'était pas trop ce qui était prévu, mais... La mec, qu'est-ce qu'on complique trop la vie, vous savez, pour grimper. Putain, mais en fait, j'ai pas dans les mains moites, j'ai le bout des doigts moites. Parce que j'ai passé mon temps à régler les Sims 3 Academy, que j'ai réussi à faire marcher pour finir. En fait, apparemment, les Sims 3 Academy sont pas compatibles avec les vieilles sauvegardes. Donc, bah, écoutez, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas, ça va aller. Vas-y. Hop, hop. Ouais, non, c'était bon, c'était par là, il me semble, hein. Oui, c'était par là, ouais, c'était par là. Je me souviens. Oula, j'ai failli pas m'accrocher, je me suis dit, ouais, ça va passer. Non, je me suis accroché. Vous voulez pas mettre la musique, s'il vous plaît? Hop. Et normalement, c'est par là. Non! Sérieux, j'ai pas sauvegardé en plus! Pour une fois que je regarde pas. J'ai vraiment les joues rouges là, c'est bizarre. Genre, je suis timide. Non, je le suis pas. Je suis pas vraiment. Pardon. Excusez-moi, j'étais en train de jouer en même temps que je regardais. Je vous assure que c'est pas mis après, hein. Je suis vraiment en train de jouer. Vas-y, grimpe. Non, en fait, je sais pas, je suis à l'ouest. Déjà, je tourne ça l'après-midi parce que la matinée... Alors, je vous explique, la matinée, j'ai tourné les Sims, j'ai dû commencer à 11h à cause de problèmes techniques. Quand j'ai commencé, j'ai vu que ça a bugué. Il m'arrivait plein de couilles comme ça, en fait, tout le long de la matinée. Il y a même eu un problème, on a dû couper l'électricité parce que chez moi, on avait un problème avec une prise et il y avait un risque que ma maison prenne feu. Enfin bref, voilà, c'est ma life, hein, bienvenue. Bienvenue dans ma vie, c'est un plaisir de vous accueillir. Ça fait déjà 5 minutes que je tourne, ça fait trop rapide. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ah, bon bah voilà. J'avais pas prévu ça. Bon. J'avais pas prévu ça, moi j'ai sorti mes flingues, je me suis dit, ouais, s'il y a un ennemi... J'aurais dû faire des sauvegardes comme ça devant les rebords là. Ou de courir pendant les chargements aussi, c'est pas une bonne idée. Parce que j'ai appuyé sur la touche entrée pendant les chargements. Attendez. J'ai une serviette. Ouais, j'ai des serviettes avec moi. Je vais pouvoir m'essuyer là. Parce que j'ai les mains moites, c'est chiant. Voilà, je suis mon clavier type. Mais putain, j'en ai marre. Putain, puis ma main elle est toujours moite en plus, ça servait à rien. Non mais en ce moment c'est la misère un peu. Déjà hier j'ai dû tourner l'épisode de Tomb Raider 2013 hyper tard parce que je suis parti chez le dentiste pour accompagner ma soeur. En fait je suis curieux de savoir ce qu'il y a là, si c'est un secret ou... Il y a un truc là à prendre. Je sais pas ce que c'est mais je veux. Non je crois pas que je peux. Yes. Ok. Et les trucs à gauche sont empoisonnés parce que ça faisait de la fumée chelou. Non.
Il y a un passage là, en même temps je peux descendre. Oula, j'entends quelqu'un qui marche. Des ammo. Ennemi. Eh bâtard! Bon, on va descendre là dans le doute. Puis si c'est rien d'intéressant, ben on repartira. On peut monter hein, là. Ouais, carrément. Ah là, t'es morte. T'as de faire chier maintenant? Avec tes bruits de pas qui font chier tout le monde? Allô? D'accord. Cette porte est fermée. Je crois qu'en fait, ouais, c'était inutile de venir là. Oh! La rat ou la meuf qui, dès qu'elle voyait un petit trou, allait dedans. Ça sonne faux. Mais bon. Non, non, non. Promenade dans le canarisation. Promenade dans le canarisation. Oui. Bonjour. C'est un peu de la triche, ça. J'étais par terre, monsieur. Je parle pas pendant que je tire à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis un ennemi, je parle pas. Mais c'est parce qu'en fait, le son est dur à régler, parce que par rapport aux autres sons, les pistolets font beaucoup de bruit dans ce jeu. Donc ce qui fait que c'est un peu galère à régler. Et donc, ce qui fait que je parle pas, parce que le son est toujours plus fort. Oh. Oh, il y a un truc à choper là-bas. Ouais, ben pas tout de suite. Ouais, non mais... Non mais, un petit fail. Ouh. Ah. Ok. Ça sert à rien. Non, je pense pas. Bip. Oh, des mini-roquettes chelou. Pour le coup, je suis intrigué par l'autre pièce, là, ce qu'il pouvait bien y avoir. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder ici. Voilà. Hop. Et reprendre la sauvegarde d'avant, juste histoire de jeter un coup d'œil à ce qu'il y avait de l'autre côté, vous savez. Je viens de fail. Bah, je suis seulement là. Oh merde, j'ai écrasé mon autre sauvegarde. Faut que je refasse le chemin à l'envers pour le coup. Oh bon, on verra ça après. Mais si on va voir par là s'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis après, on ira voir de l'autre côté si, si ici c'est rien de super méga extraordinaire. Non mais de toute façon, t'as raté. C'est bien fait pour ta gueule, t'as qu'à sauter comme je te l'ai dit. Ah, d'accord. J'ai essayé de m'indiquer un truc de toute évidence. Mais je n'ai pas compris quoi. Ah merde, il y avait un truc pour s'accrocher là. Oups. Excusez-moi. Non mais, marche pas déjà ici, ça sert à rien. Voilà. Ta-ta-ra-ra. 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 Non, c'est pas du beatbox, je sais pas le faire, ok? Yay! Ça servait rien qu'à ça? Et ça sert à quoi déjà? C'est grand. Donc calmez-vous avec votre musique parce que je sauvegarde. Bon, pour le coup, je vais pas y aller en sautant comme un gros taré. Oh. Non, non, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et attends, ça va. Je viens de découvrir qu'il y a une arme là. Il y a un lance-fucking roquette. J'ai trouvé un lance-fucking roquette. Yay! Mais c'est trop cool. Attendez, laissez-moi l'essayer. Bitch! Bitch! Trop génial, ça va trop me servir contre des ennemis. Genre des gros boss et tout. Je
sais pas si c'était une bonne idée d'aller là. I live a dream. Bah non, pas là pour le coup. Je crois pas que je peux remonter. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Je crois qu'en fait, le côté, c'est ma seule solution. Bah, t'es morte de quoi, là? T'étais sur une pente, salope. Non, mais je crois que j'ai trouvé la bonne solution pour descendre, en fait. En fait, il faudrait que je fasse exactement ça. Et vous voyez, comme ceci. Je sais pas, plutôt là, non? C'est un secret, là. C'est ça. Sérieux, il y a un trou, là. Vous avez vu qu'il y avait un trou? Monsieur, dame, il y a un trou. Bon, bah voilà. C'est un trou. C'est juste un trou, ça sert à que dalle. Ok. Je suis pas paumé, hein. Sachez que je suis pas paumé, j'explore. J'ai pas besoin d'aide. Non, mais retombe pas dedans, par contre, Lara. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Je suis toujours intrigué par ce qu'il aurait pu y avoir de l'autre côté, en fait. Toujours intrigué. Attention, Lara. Non, mais Lara, je veux que tu ailles là. Eh bien, tant pis. Ah, j'ai rien dit. Wow. Putain, ça m'a éjecté le truc. Le truc, ça fait la 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 zoup. Waouh. Waouh, waouh. C'était pas trop fait exprès. Et ben. Voilà, elle glisse pas trop. Et ouais, mais quoi maintenant? Je sais pas vraiment s'il faut vraiment que je descende ou... Ah, il y a des escaliers là. Eh! Bon bah, alors allons dans les escaliers. Ah, apparemment c'est le bon chemin. Je suis sûr qu'il était bien mort. Il a looté une trousse de soins. Je vaincrai ma peur. Je me hilerai plus loin que des douleurs du montagne. Je t'entends. Mais je ne te vois pas. Oh tiens. Mais je vois. Ah, t'es où? Oui, allô, bonjour. J'aurais peut-être dû tirer. Je vais pouvoir grimper en plus. Hop. Grimpouillons, grimpouillons. Elle a un rythme de pied parfait, là, quand même, des fois. Oh, ok. Je crois que comme ça, c'est plus facile que bien se mettre au rebord. Attendez, il y en a peut-être une qui se casse. Non. Je sais pas trop ce que je fais. Vous, vous savez peut-être, mais moi... Ah, je me retrouve derrière le cube. Et il y a un autre cube. Sérieusement, faut que je refasse ça? C'est pas le même.
Si, je crois que c'est le même. Oh, attendez, je vais vérifier de l'autre côté quand même. Je suis un peu paumé. Hein. Un peu beaucoup. Hein. Bah, et celui-là alors? Je peux pas le pousser plus. Lui, j'ai pu le pousser quand même. Hein. Oh, mais je vais pas le tirer, ça me servira que dalle. Quoique. Ah non, si je tire deux fois, j'ai qu'à grimper de l'autre côté et j'aurai le passage. C'est logique. Je suis un peu con. Est-ce qu'il devait probablement bloquer un chemin ou un bidule du genre dans Tomb Raider, c'est souvent comme ça, donc voilà. Yep. Grimpant en haut de la Tamise. Non, je viens d'inventer cette chanson en plus. Enfin, ça doit exister un truc du genre, mais parce que ça vient pas de mon imagination tout court. Mais bon. Ça vaut le nanana. En Galilée. Galilée. Il est Galilée. Galilée, les Galilée. La les Galilée. La les Galilée. Ok. Je crois que vous avez compris. Nanana. Et normalement, voilà, j'ai un chemin. Bah, je me revois ici. Eh, mais vous croyez que je lui ai chopé le truc qu'il voulait? C'était ça qu'il voulait? C'était le petit truc que j'ai récupéré? Attendez, c'est quoi que j'ai récupéré? Ah ouais, le fluide. Sérieux, je l'ai fait? Ah non, faut pas que j'aille là. Ouh. Eh, monsieur, j'ai votre fluide. Monsieur fluide. Bonjour. Monsieur fluide. Fluide. Et où vous barrez, monsieur? Je suis censé faire quoi avec son fluide? Posez là. Fluide. 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 Sérieux, vous voulez pas votre fluide? Monsieur? C'est comme dans Football Galactique, vous avez du fluide! Non mais sérieux, il est où le mec? Le mec il me demande d'aller chercher des trucs, hein. Moi je vais... Ah, tu veux que je vienne là, hein. Ok, ça va, j'avais pas vu. Ok, donc tu arrêtes de me juger. Là, tu repars. Merde, mais je voulais pas pousser, je voulais grimper. Peut-être que pousser c'est bon, hein. Non, bon, je sais pas. J'en sais pas, parce que moi je parle bien la France. Fuck. Bon, montons là, dans le doute. Ah, oh. Monsieur, vous voulez votre fluide? C'est d'où je viens. Oui, c'est d'où je viens. Moi, je dis, ah, c'est par là. Eh, monsieur, je vais vous tuer, hein, ça m'énerve. Mais sérieusement, vous voulez que je fasse quoi maintenant avec votre fluide? Ils m'ont demandé du fluide, je vais leur chercher du fluide, je ramène du fluide, ils sont là. On t'a jamais demandé du fluide. Oh tiens, merde, ça fait plus de 20 minutes. Bon bah tant pis, je continue. Monsieur. Ok, tapez-moi avant. Bon, Corentin, je dois faire quoi si j'ai... je dois faire quoi si j'ai pris le fluide et que ça veut plus là? Elle veut pas de moi ni des miettes de mon cerveau. Elle veut pas de moi ni des gouttes de mon fluide. Ouais, dit comme ça, ça sonne chelou. Ok, bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode, de le partager si vous aimez aussi les autres vidéos. Non, n'importe quoi, ça veut rien dire du tout, mais c'est pas grave. Voilà. voilà, Corentin, hop. Ça de fluide, mais il en veut pas. Et donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Oh, le cam vient de tomber entre mes jambes. Hein. C'est genre, tu veux faire un plan, cam? Oh, merci. Bye bye.